Mesdames et messieurs, bienvenue à toutes et à tous dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Ça résonne dans ce hangar. Mesdames et messieurs, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, je suis pas tout seul, deuxième caméra. Aujourd'hui, on se retrouve pour une grosse vidéo qui va être trop bien, qui va être trop cool. Le concept est vraiment très simple. Dépêche-toi, il y a McDo qui arrive. Hein. On attend notre commande McDo. On change le concept, on va juste faire une dégustation. Bon, nickel. J'ai une question. Oui. C'est sponsorisé. Laisse-moi juste réfléchir deux secondes. Je fais juste un petit tour comme ça. C'était quoi la question? Est-ce que c'est sponsorisé la vidéo? Du tout. Ok. Non, elle est sponsorisée par School Move la vidéo. Voilà, sachez-le. On a fait un petit décor, un peu salle de classe, etc. Vous allez vous dire, c'est un peu atypique, comme ce qu'est en train de faire Gizzy par exemple. Non, c'est normal. Hein. Pourquoi à chaque fois qu'on fait une vidéo dans ce hangar, il n'y a rien qui se passe comme prévu? Vous avez certainement vu cette petite vidéo qui est passée sur Twitter, parce que de toute façon, tous les youtubeurs ici ont vu cette vidéo. Bah non, moi j'ai pas vu. On va globalement faire un tournoi de ballon de baudruche. Il y a zéro van là-dedans, et je vous jure que c'est absolument incroyablement fun. En attendant, le sponsor de la vidéo, c'est School Move, je vous en parle tout de suite. School Move, yes! Mesdames et messieurs, School Move, c'est une plateforme d'accompagnement pédagogique. C'est-à-dire que par exemple, le soir ou alors le week-end, en plus de vos cours ou quoi que ce soit, s'il y a des choses que vous voulez apprendre, vous vous connectez à School Move en deux secondes sur le site internet et vous avez accès à tous les sujets que vous pouvez étudier dans votre classe. School Move, ça va du CP jusqu'à la terminale. C'est pas du tout réservé aux personnes en difficulté scolaire, c'est vraiment pour n'importe qui. Il va y avoir des vidéos explicatives, il va y avoir des sujets, il va y avoir des tests, il va y avoir des quiz. Comme ça, au moins, tu peux vraiment bien t'entraîner. Tout le programme qui est disponible sur School Move est conforme au programme de l'éducation nationale et il est évidemment tout le temps mis à jour par rapport au nouveau bac pour être tout le temps adapté. Il y a deux formes d'abonnement si vous êtes intéressé par School Move. Il y a la première qui est gratuite. Vraiment, là, vous vous créez un compte juste après la vidéo avec le lien qui est en description. Vous allez pouvoir avoir accès à certains contenus du coup via votre compte gratuit. Et si vous voulez avoir tout en illimité, vraiment passer partout quoi. Donc du coup, tout ce que je te disais tout à l'heure avec toutes les vidéos, tous les tests, tous les quiz. Et c'est aussi du coup disponible via une application. Donc vraiment, peu importe où tu vas, t'as ton téléphone, tu dégaines, tu fais un quiz. Là, tes potes sont en mode, bah gros, je suis jaloux en fait. Et en plus de ça, avec les vacances de la Toussaint, en général, dans cette phase, vous avez déjà eu votre premier bilan. Bon, si jamais c'est pas foufou, et bah c'est vrai que c'est toujours le moment de pouvoir recadrer le tir. Du coup, si jamais School Move vous intéresse, c'est dans la description. Il y aura le lien, vous avez juste à cliquer, comme ça vous allez directement sur le site et vous allez pouvoir choisir entre un abonnement gratuit ou un abonnement payant. Bon, maintenant que je vous ai tout expliqué, on passe directement à la grosse battle. Je réexplique une dernière fois la règle, comme ça on est clair. 4 youtubeurs. Bon, du coup, je vais être là. Le but est très simple. David va venir ici présent. Il va dire une question qu'il y a sur le fameux site School Move. Bon, ça va être un peu. Oui. Monsieur. Oui. Combien de points quand on répond une bonne réponse? Alors, quand on répond une bonne réponse, c'est un point pour l'équipe entière. Du coup, quand il y a une équipe qui marque un point, elle marque un point. Et en plus de ça, elle a le droit, il y a 4 jokers. C'est 4 contraintes que l'équipe qui a gagné ce joker peut donner. Ah. À l'autre. Et une fois qu'il y a une question, bam, il y a une réponse. Il y a ensuite, bah déjà probablement. Et bah ensuite, bam, il y a la manche du jeu ici à ballon de baudruche. À chaque fois, il faut qu'il y ait une personne désignée ici qui aille jouer avec une personne là. C'est quand le goûter? C'est tout à l'heure pour cette partie là. On est obligé de taper comme ça vers le haut. Si la balle, elle arrive ici, forcément, bah c'est direct l'autre, enfin l'adversaire qui gagne du coup. Et il y a pas le droit de toucher deux fois la balle, c'est-à-dire une fois que tu l'as tapé, après c'est vraiment l'autre personne. Ouais. Après mec, en vrai, là-bas c'est l'équipe des gagnants. Mais si oui, je peux me permettre. Mais non, pourquoi tu mets ça? Tu crois pas en eux et tu crois pas en eux? Franchement. Quoi? Tu crois pas en eux? Ok, d'accord, très bien. Eh mec, on va leur montrer que. Oh, eux là. C'est les connards quoi. Là, il y a les trucs à vous mettre autour du bras. Et c'est le bleu clair et le jaune. Frère, on est à quoi l'entendre voilà. Non, ça c'est vert, c'est pas bleu clair ou jaune. Ça, putain. Oh! Non, bah j'ai. Mais c'est pas pour nous, c'est jaune. Venez, on se fait un garrot et on se met de l'héroïne là! C'est pas ça, mec, hein! Ah, je suis pas sûr que ce soit comme ça qu'il faut le mettre. C'est bon, moi je sais comment on fait parce que je suis trop fort. En gros, s'il y en a pas un qui perd un bras de l'autre côté, je comprends pas. Qui c'est qui veut du chaud? La la li la li la lo. Ok, mesdames et messieurs, pour cette première manche, du coup, on va avoir le droit aux questions de David. Quel privilège, hein. Quel honneur, hein. C'est très bien que personne va faire. Ça va faire. Moi, je sais, maman. C'était moi avant, putain. Attends, est-ce que la question, elle est dure ou pas? Pour l'instant, je me suis mis en 5e, histoire de bien commencer. Ouais, j'avoue, dis à chaque fois la classe. On avait dit CP, là. Il y a le prof qui parle. S'il vous plaît, il va le dire. Tentons la question en géographie. Oh putain. Oh non. Sur les enjeux du développement durable. Mec, un moment. Hop. Non, Andrés, il a rien dit. Allez, on se concentre, les enfants. Il y aura 4 possibilités, attention. Quand a commencé le processus d'industrialisation? Quatre. Moi, j'ai pas encore donné les 4 possibilités. Ah, 5 QCM. Ah, on a de la chance, alors, oui, ça va. On est sur 4. Au 19e siècle, à la fin du 21e siècle, à la fin du 17e siècle ou au 18e siècle? À la fin du 19e. Attends, Lucas, t'as dit quoi? On s'est pas concerté là. C'est pas ça, ouais, je t'agresse. C'est pas vrai, je suis pas d'accord avec mon coéquipier. D'accord avec mon coéquipier non plus. On s'est pas concerté. Mais non. Calmez-vous. Voilà. C'est pas le plus intelligent du groupe, tu sais. Mais mort. Quoi ta gueule? Mort.
Rassurez-vous, sur School Move, si vous n'avez pas la bonne réponse au quiz, vous n'arrivez pas à ça. Vraiment, c'est mieux quand même. La fin du 18ème. Non plus. Oh, c'est pas la 21ème siècle, les gars. Bah oui, c'est le 17ème. Non. Putain. Non. On est giga con. Vous avez oublié un siècle. Un siècle. Mais non, industrialisation. Mais j'en sais rien, frère, je comprends pas. 19ème siècle. Oui. J'ai dit ça en 2000. Non, t'as dit à la fin. T'as dit à la fin. Mais c'était toi, même Lucas. Pas dans les réponses. Sit down. On va te tuer. Dites-moi, on va te tuer. Quel bâtard. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il est complètement con. Bon, tu sais quoi? Dans le doute, on prend le point. Non mais ça n'a rien à voir. On n'est pas la meilleure équipe, nous, quoi. Ouais. Du coup, pour la prochaine question, on fera un grand silence comme ça. Enfin, un grand silence, genre. Tu as insinué que c'était bruyant? Non, pas du tout. Je vous ai vu en train de tabasser l'arbitre. Je veux un passage d'une violence envers l'arbitre. Dans notre équipe, on choisit une personne. Dans votre équipe, vous choisissez une personne. Et du coup, on sait pas qui vous allez choisir. Et vous exactement. Vous savez pas qui on va choisir. Oh. Exactement. Qui part au goulag? Qui commence? Tu t'es chaud, toi? Qui part au goulag? Vas-y, let's go. Vous voyez, parce que vous êtes grand et que nous, on est petits. Ok, bah alors du coup, j'invite les deux participants à se lever et à rentrer dans l'arène. 3, 2, 1, let's go là. Non, non, t'es... Vous l'avez pas. Aïe, aïe, aïe. Attends, j'ai confiance en toi, ok. Allez, hein. Avant-toi. Viens, mon poulain, viens. Tu pars sur la droite. Ouais. Tu prends une chaise, tu lui lances. Vraiment, dernier recours. Balance-lui des noms de cartes graphiques, il va être énervé. C'est pas mon domaine. Mais dis-lui PC portable. Ouais, dis-lui, ouais, ordinateur. Petit message pour vous dire que la caméra du dessus, elle a pas fonctionné dès le départ, mais elle reviendra tout à l'heure. 3, 2, 1, let's go. Allez, il y a du favoritisme. Allez, Anonymous. Ah, attends, je suis con. Allez, Anonymous. Bah, vas-y. Ça va être long, non? Salut, mon pote. Ah oui. Ah, c'est moi. Let's go, mon grand, c'est ton moment, Clément, on aime la technologie, mon grand. Mais meurs pas comme ça, frère. Pour les prochaines manches, à chaque fois, en fait, va falloir relancer le ballon à partir de là, bah en fait, juste du torse, en fait. Ok, donc pour le moment, il y a 1-1 dans chaque équipe. On a triché tous les deux une fois, c'est cool. Pose ta question, mon grand. Cette fois-ci, on passe à 6ème parce que je vois bien que ça vous chiffonne quand on est en 5ème déjà. Et on ne répond pas avant les 4 propositions. D'accord. Que permet l'utilisation du monstre dans le récit mythologique? C'est une image pour mieux comprendre notre réalité, de rassurer les lecteurs qui savent que tout cela est faux, à mettre en valeur l'homme par rapport à la bête, à faire éprouver de la pitié et de la terreur aux lecteurs. C'était Guizzi. La première réponse, Jean-Pierre. N'est pas ça. C'est... Ah, la dernière, c'est la pitié. À faire éprouver de la pitié, de la terreur aux lecteurs. La dernière. Non. Mais non. Ok. La 3, rassurer les lecteurs. Et c'est la bonne. Allez, bam, le point. Wouh. Arrêtez de rager, s'il vous plaît, on vous entend d'ici. Hein. Avant le 19ème. Lucas, je t'entends, en fait. Si t'as quelque chose à me dire, dis-le-moi en face. Non, ouais, tu ouais. Parles pas, Lucas, comme ça. Ouais, non, arrête, arrête, Clément. Non, sur non. Le terrain. Sur le terrain, on verra. Te rabaisse pas là, gamin. 3, 2, 1. Je vais t'éclater là. Quoi? Je vais t'éclater là. Néoxy! 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 Les gars, vous êtes avec moi! Là, y'a un grand silence là. Ah, fumier! Une patate, mon grand! Y'a plus de vannes qui sortent, il y a juste qui gagne. Moi, je suis pas. Oh non! Mon poulet! Let's go! Attends! Let's go! Focus sur mon équipe, tout de suite, regardez comme ils sont heureux. Ouais. Bon, on est une équipe intellectuelle, oui, il y a voilà. Les sportifs, voilà. Ah bah nous, on a le mental et on a le physique, ok. Est-ce qu'on peut régresser encore d'une année? Non, en vrai, c'est bien. Hein. De quoi une cellule est-elle constituée? De minuscules êtres vivants, d'une prisonnier entourant le cytoplasme et d'un noyau, d'une membrane très épaisse ou d'un noyau entourant le cytoplasme? Oui. C'est la 2. Exactement, c'est celle-ci. Oh, yes. C'est la gentille. Oh non. Oh non. Oh non. Ils ont vraiment cassé le fauteuil. On a cassé le canapé. Tout ça pour une membrane qui entoure le cytoplasme. Mais on l'a pété. T'inquiète, mec. On l'a pété si fort. Vous avez 3 points et vous avez le droit de... Enfin, si vous... Pas tout de suite. Bah oui, je peux pas. Prends-lui. Du coup, je vais prendre les 3. Nickel, merci. Oh. Est-ce qu'on l'utilise ou pas? Bon, allez, autant y aller. Moi, il aura pas duré longtemps, le suspense, du coup. Bah non. Allez, main liée. On aurait peut-être dû le dire après qu'il ait choisi la personne. Oh, sa mère. Pense que tu vas être doué à te jeter partout. C'est qui les gros cerveaux? Dans 3 secondes, les combattants là vont s'avancer pour aller se combattre dans l'arène, ok? Après, vous allez juste jouer au bain de douche, vous allez pas non plus vous entretuer. 3, 2, 1, levez-vous.
Oh. Et du coup, Gizzy qui chope le malus des mains. Allez, Giz. Oh, Gizzy, ramène-nous ce point. Sora, tu le manges, tu le manges. Bonjour. 3, 2, 1, let's go. Allez, gamin. C'est trop. Oh, oh là là, wow. C'est chaud, le filou. Ah, c'est chaud. Oh, le filou. Ah, c'est chaud. Ah, mais c'est. Putain, par contre, des fois, tu. Vas-y, 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 de tout dans la pointe. Allez, Sora, ramène du proche. Ah, oui, oh, c'est bon ça. Ah, mais en vrai. Ah, oh, oui. En vrai. Oh, mais attends, mais il vient d'où? Oh, c'est bon. J'avoue, frère. Il vient. Oh, c'est bon. Oula, c'est pas fair-play, ça prend deux balles. C'est pas fair-play, monsieur. C'est pas grave. C'est pas fair-play, mec, ça va, t'inquiète, gros. T'inquiète, mec. On va t'enlever de l'équipe, mais c'est pas non plus. Parce que quand je fais ça, ça a touché les deux mains en même temps. Mais gros, t'as trop bien. Ah, bien. Hein. Poète, camembert, arrête là. Attends, mais je t'ai clairement rue là. Bah, j'espère que vous arrivez à suivre un minimum parce que, il y a 8 youtubeurs, c'est beaucoup, 8 youtubeurs algériens. Attends, mais même l'assise là, elle est claquée, non? Ouais, ça se voit. Mais on est au sol. Je crois qu'un peu de UU c'est bon. Et donc du coup une petite question de géographie. Mais j'aime pas frère, allez change, je mets du mat ou des trucs. Je mets du mat. Quelle est la différence entre les mots ouragan, cyclone et typhon? Ils ont une intensité différente. Un typhon est une immense vague destructrice qui déferle sur les côtes. Aucune, ils correspondent au même phénomène climatique, le nom diffère uniquement selon la zone géographique. Ou un cyclone se distingue par son mouvement circulaire. Il avait levé le malin au début, ça compte pas. Okay, non, mais vas-y, on l'accorde. Bah, je me sens mal du coup. Non, t'inquiète. C'est la 3, y a aucune diff. C'est la bonne réponse. Yes! On a ouais gagné! Let's go! Ouais. Enfin, vous là, clairement, vous avez gagné un point donc. Oh, c'est bon ça. Mais on n'est pas obligé de l'utiliser maintenant. Bon, ça pue la merde, t'avais raison. Non, c'est une dinguerie. C'est déjà fini? Ah, non, c'est le premier à 10 points. Donc là, on continue jusqu'à 10 points. On le garde pour plus tard. 3, 2, 1, let's go. Oh, wesh, qu'est-ce qui s'arrive là? Ah, les enculés. C'est ça la contrainte? Ouais. Non, le dossier! Attention, les gars! Non, c'est retombé, vraiment. Allez, Guizzi! Ok, 3, 2, 1, 3 quarts! 1, mes frères! Oh, ça joue bien! Ça joue! Oh, là, là. Allez, mon Lucas! Allez, mon Lulu! Allez, Lucas, donne tout! Allez, Lulu! Non! C'est bon, je t'aime, let's go! Point nul! Ah, c'est tellement chaud! Chaque fois que je me retourne et que je vois le canapé, frère! C'est devenu un bon! Eh les gars, on survole la compétition! On peut se rentrer, s'il te plaît? Ah, pardon, excusez-moi. C'est chiant, mec, on est concentré et il arrête pas de casser les couilles, okay. C'est chiant. Bah, tu commences à m'enchaîner là, par contre. On passe en 6ème. T'as l'époque, hein, ok. Est-ce qu'un mélange est toujours liquide, toujours solide, composé de toujours 3 constituants au moins, composé d'au moins 2 constituants différents? Bah, constitué d'au moins 2 constituants différents? Oui, c'est la bonne réponse. Bah oui. Ah oui, logique. C'est genre logique. Je pense qu'on est vraiment l'équipe des gens les plus lents. Oui. Donc, c'est vrai. Donc vraiment, on est tous des tortues ici. Donc forcément, eux, c'est les. Regarde, ils sont turbulents de ouf. Aïe, tu me frappes là. Mais non, je te chauffe le bras. Mais non, ça me fait juste mal. J'ai un claquage au bras là, ça y est. Bon, ils ont cette. Faut clairement qu'on tape une remontada parce que. Ah ouais, bon, vas-y, on l'envoie. Ok. À la base de la vidéo, ils ont pas tiré le truc. Ils avaient fait. Elle a dit, vous avez tiré un papier au début de la vidéo. Le malus, c'était Camille. 3, 2, 1. Non, mais toujours pas nous, putain, mec, on est cons. Hein. Allez, Camille! Ça va être incroyable. Bon. Ça, là, c'est un vrai match. Ah, c'est vrai? C'est sûr, tellement de moments de vous demander un petit pouce bleu, parce qu'il y a toujours un petit pouce bleu à un moment donné dans une vidéo. Bleu comme nos brassards! Ah. Exactement! Et pas comme les grosses merdes en jaune! Quoi? Ah, ouais, du coup. Et allez, Clément! Eh, la couleur du pipi! Tu prends une chaise et tu lui exploses dans sa gueule. 3, 2, 1, let's go! Oh, quel tir! Ok. Oh, c'est bon! C'est bon! Camille qui joue la scène! C'est bon! Oh, elle le pousse! Oui. Oh, wow! Il est vivant, on détend. Clément, c'est on marque une certaine relaxation. Oh non! Bon, là, on vous dormant, les gars! Et rentre chez toi, là! Tu fais du bruit pour rien, là! Allez! Toi, tu fais du bruit, là! Bien joué, Clément! Let's go, mon pote! On est nul! Après, c'est vous, excusez-moi d'être fort. Sportif, cultivé, beau, charismatique. Ok, donc là, du coup, il y a combien? Il y a 8-2, là? Je crois qu'il y a 8-2, mec. Il y a vraiment 8-2. Après, c'est serré, hein? Mais il laisse largement le temps de se rattraper. Oui, c'est serré. Ah ouais, on est mauvais, quoi, hein? Qu'est-ce qu'une biographie? Une signature qui permet d'identifier une personne, une science qui étudie les plantes et les animaux, un récit merveilleux racontant l'histoire de personnages imaginaires, un texte concernant les informations sur la vie d'une personnalité. C'était Valentin. Sur une personnalité. La 4. Sur la 4. Oui, c'est la dernière. Voilà. Quoi. Voilà. C'est la bonne réponse. Ouais. Oh non! Zut! Oh là là! Ah bah question 5ème, on est là. Hein. Oh là là, on peut prendre un malus! On peut prendre un malus! Ah mais ouais! Ah, j'ai pris. Oh.
Oh, j'y vais, hein. Nous, on a décidé de bien sûr l'utiliser. Ok, c'est quoi? On va le dire une fois qu'on aura les deux joueurs, parce que sinon vous allez changer de joueur. Pas okay. Non, non, vous bloquez. On peut utiliser le nôtre. C'est bloqué le truc. On utilise le nôtre. Oh le bâtard. C'est bloqué. On se gagne pas qui joue, frère. On utilise notre malus. Ah non, merde, j'avais complètement zappé là. T'inquiète. Bah, les deux joueurs, c'est quoi? Ils vont se lever. Ok. Et ils vont se l'annoncer. Non, non, mais non. Tiens, tu peux lui annoncer le sien. Tu peux lui annoncer le sien. Ok, notre malus, c'est d'être à cloche-pied. Oh mec, c'est chiant de ouf. Ah non, c'est mais c'est beaucoup mieux que ça. Bah oui, c'est beaucoup mieux que ça, c'est beaucoup mieux. Tu vas prendre un balai, tu vas faire 10 tours autour du balai avant de commencer. Non mais wesh. C'est vraiment ce qu'on a fait il y a environ 3-4 jours dans le hangar. Posez pas de questions pourquoi on a fait ça. Mais on a vraiment pris le balai et on a essayé de voir combien de temps on pouvait rester. Mais vous êtes con. C'est pour ça qu'ils ont mis le défi les fumiers. Oh, sur le long terme, hein. Tu la... Allez, hein. Oh, tu la lances haut, hein. Tu la lances haut. Tu donnes okay. Tout, hein. Ok. Gizzy, dis-toi un autre truc, le premier ballon, il va même pas le toucher, gros. C'est vrai. Toi, je dis à long terme. Long, hein, tu vois, il faut. Oh, c'est tellement long en plus de faire 10 tours là. Ok, vous êtes prêts? Fais-les doucement, fais-les doucement. Fais les tours, il lance le ballon et on commence à jouer. Et qu'est-ce que tu comprends pas là-dedans? Ok, ok, ok. T'as le temps, t'as le temps, t'as le temps, reste fixe. Deux. Respire. Oh putain, c'est nul. 4. Oh, ça a l'air, ça a l'air. 5. 6. 7. Oh, l'horreur. T'inquiète, t'inquiète, t'inquiète. 8. 8. Oh, putain. 8. Allez, allez. 9 et 10. Vas-y, concentre-toi. Oh sa mère. Vas-y. Oh sa mère. Vas-y. Il est bourré. Valentin, il est bourré. Mais c'est vraiment plus facile ça que le cloche-pied, frère. Tain, tu vois, c'était le long terme, c'était le long terme. Et heureusement qu'il avait sa contrainte, hein, sinon il m'aurait niqué. Bravo. Premier vainqueur de l'équipe. Et là, ils n'ont plus de bonus, les amis. Bon, on a quand même genre 8-4. On est dans le dur, hein. C'est vrai. Ouais, ouais. Ok, on continue la stratégie, on lève la main direct. Qu'est-ce que le pathos? Le registre dont dépend les émotions et sentiments, le registre dont dépend la morale, le registre dont dépend la raison, le registre dont l'effet est pathétique. Là c'est oui. Lucas, c'est Lucas, c'est Lucas. C'est la première, c'est la première. Ouais, c'est ça. Putain, mais chier. Toi, tu fais pitié. Attends, y'a un gars dans le canapé. Le canapé. Ok, là, c'est notre dernière chance. On va mettre l'une des deux filles. Bah du coup, qui... Bah toi, dès que vous avez la balle. J'ai l'impression que je parle du foot, là. C'est vraiment de faire direct une putain de feinte. Genre de la mettre en arrière directement ou un truc comme ça. Donc du coup, là, si on gagne celle-là, on gagne, du coup. Là, bah oui. Ouais, ouais, ouais. Le duel des titans. Oh Raf, t'as pas besoin de gagner, frère. T'as dormi chez moi et tout. Ouais, gars. T'inquiète. Oh mon ref, mon studio, si tu gagnes, tu l'as plus. Ou tu payes le double du loyer. Raven, si tu perds, je te donne des clochettes dans Animal Crossing. Oh, moi, je t'éclate ta gueule. Hein. 3, 2, 1, c'est parti. Ouais, d'accord, même. Oh là là. Sur la même chandelle. Oh là là. Attends, oui. C'est exactement comme ça. Mais pourquoi tu lui envoies? Oui. Il arrête de lui envoyer. Voilà. Oui. Là, je suis dans le suspense. Oui. Oui. Non. Ça va. Let's go. Vas-y. Ouais, voilà, 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 nickel, nickel, nickel. C'est bien. Mes potes, mes potes, mes potes. Oui. T'es grand aujourd'hui. Oh putain, mais il est trop bon. Il est incroyable. Vas-y, calme-le. Comptez-le. Devant. Mais c'est pas possible. C'est quoi cette manche? C'est match de titan. Oh mais c'est incroyable. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? C'est mort. C'est du grand divertissement. Attends, mais c'est quoi cette manche, gros? C'est fou. On est où? C'est sponsorisé par School Move. Mais attendez, mais wesh, qu'est-ce qu'il vous calme le jeu, calme le jeu. C'est quand même très long, hein. Ils sont devenus super forts. Vas-y, vas-y, oui, 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 oui. Les gars, ça fait 57 ans que ça dure. C'est quand même très très long, les gars, vraiment. Ils enfants sont nés. Et par rapport au fait que tous les deux ils se tirent dessus, quoi. Mais arrête de lui envoyer la balle. On revient, on va chercher à manger. C'est incroyable, gros. Raven. Oui, 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 oui. Tu peux avoir l'avantage. Raven, petite technique. Envoie pas sur elle. Envoie. Voilà, on voit grave loin. De l'autre côté, de l'autre côté. Mais putain, mais c'est grave, on voit pas sur elle. On a gagné, wesh, il était comme à se faire oui, le oui, bas. Oui, c'est vrai, il était vers le il bas. Il était vers le bas. Arrête d'envoyer le ballon sur elle. Tu fais quoi? Pourquoi tu lui envoies le ballon sur elle? Fallait envoyer à l'opposé. Non mais ouais, oh, mais t'inquiète. Mec, mais attendez, mais excusez-moi, j'ai d'être ça de ouf. Bah oui, bien sûr, oui. Je pourrais faire ça toute la journée. Alors on parle moins l'équipe d'en face. Ouais de ouf, il parle beaucoup moins là. J'ai 9-5, juste les gars, je veux dire, si on répond moins à cette question on a gagné. Que j'allais dire en fait ils répondent à la question. Non, mais nous aussi on peut répondre, on, ok on va, hein, on lève la main, on balle, hein. Qu'est-ce que Aristote désigne par le terme art? Ce qui est beau par nature, ce qui est artificiel, ce qui a été créé par l'homme dans le seul but de produire du beau, ce qui existe par une cause qui n'est pas naturelle. Oh, oui. Je crois, on m'en voulait pas. Moi, j'aurais dit le 3. Non. L'art. La 1, la 1. Je suis stressé. Non. Bah non, c'est la 4. La 4. La 4, ce qui existe par une cause qui n'est pas naturelle. Ouais. Oui. Non. Ah non. Allez, c'est bon. Mais
à Aristote qui nous regarde sûrement dans la vidéo, qui nous regarde sûrement. Il y a un petit fils à lui, un truc qui traîne. Oui, mon cerveau, il a une mémoire visuelle. Alors du coup, quand il voit pas les questions, c'est impossible pour moi d'essayer de comprendre la question. Ouais, je comprends, ouais. Ah, même visuel, je pense que je suis claqué. Hein. Non, mais je lui dis, t'inquiète, mec, ça va bien se passer. Après, c'est pas grave, tu sais, le plus important, c'est de participer. On a gagné! On a gagné! Mesdames et messieurs, c'est la fin de la vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Le lien de School Move dans la description. Si vous utilisez le programme de School Move, si ça peut vous intéresser ou quoi que ce soit, il y a tout qui est dans la description. Je suis déjà dessus, hein. Mais ça fait plaisir. Regarder comme il est incroyablement talentueux pour mettre en avant le placement de produit. Oh, la phrase a été gigantesque. C'est comme très loin. J'ai une question. Oui, si je veux m'inscrire sur School Move, je vais où? Eh bah, tu vas sur le site School Move qui est dans la description. Tu cliques dessus. Mais en plus, là, au moment où on parle, il y a des écrans de fin qui s'affichent et vous pouvez directement cliquer dessus pour aller sur School Move. Mesdames et messieurs, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne de tous ces gros loustiques. Il y a la chaîne en description de tout le monde. Ciao tout le monde.